Tout le monde sur la planète a connecté un seul réseau social TV 83. Nous comptons avec vous. Bonjour, bonsoir le monde. Nous saluons n'importe côté où il y a. Déjà, nous disons bienvenue sur Channel Information. Gros brigade a répété dans l'émission Moment Vérité entre Maître Renaud Georges et Maître Mario Delcy sous assassinat Maître Montferrier d'Orval là. Côté dossier ça a continué levé dit fait dans mi-temps société a suite à un pile déclaration qu'a fait à droite à gauche. Jean Proverbe l'a dit là, la fumée pas jamais levé sans dit fait. Avocat Maître Mario Delcy a vilé Renaud Georges comme moun qui te menacé la vie bâtonnière à plusieurs reprises. Côté le te menacé tout yel à l'autre avocat yo qui te soulise Maître Dorval avant le te mouri pour le tal révoquer dans baoua parce que yo te nan zak corruption prend l'argent dans mes moun pour grand messi. Jean parole la parle ya t'a semblé un pile avocat koné yon bagay nan la mort Maître Dorval si nous ta kwè déclaration Maître Delcy qui t'a intervenu dans moment vérité. Un pile moun pral saisi tant de nouvelles sa yo t'a semblé serat pay kap manje kay pay nous Maître Renaud Georges si te fort nan causé la mort bâtonnier. Ma petite amie auditeur, yo tande déclaration sous gros révélation dans dossier ça. Cependant, enquête cap mené dans la mort bâtonnière. Côté mettre la tape avili Maître Renaud Georges sous zaka malhonnête ça et puis éclairer j'ai enquêté yo sous plusieurs secteurs d'après lui-même qui complice dans la mort. En coutel sous réseau Paula Sofia TV 83 comment tape expliquer détail en pile moun pas ta connait. Et Maître Georges évoqué yo Maître Georges dans intervention li li évoqué yon rencontre qui t'a fait, qui t'a gagné lieu entre ou même le bâtonnier d'Orval et la présidence. Li parlait de velléité côté gagnant pour aller pour représenter Baou Anan au niveau de l'institution électorale, il dit que ça va rien de mal là-dedans, c'est Douaou qu'on doit venir représenter corporation appartenue à lui au niveau de l'institution électorale. Mais il dit que dans la rencontre ça, le bâtonnier d'Orval est opposé à un nom. Un nom à ce que le barreau qu'il dirige collabore. Oui. Alors oui, il était opposé à un nom, non N-O-N, et, etc. à demande la présidence là. Donc moi j'ai dit que M. Mario Delcy et Miko Moment Vérité était ouvert pour vous. Moun qui rapporte ça capable de dire ça. Grosso modo, c'est ça, vous voulez réagir? Premier bagaille que m'a dit, Georges, vraiment, bon, tout le monde connaît qui est ce qui met Georges, donc, m'a besoin de réagir directement sur le personnage là. Mais, vous nouez que, moi, garde le silence, moi, depuis environ 11 semaines, pour quelle raison? Parce que, gagner en pile, personnage d'un pays, que tout le monde te connaît, qui te gagné des conflits ouverts avec le bâtonnier. Et parmi eux, M. Georges, c'est Youn Ladan. Yo. Ah bon? Et il y a l'autre monde encore tout, donc tu toujours connais ça. Et Moun Sayo, depuis que Mario Delcy, il n'a pas eu dossier, eh bien, il a commencé à faire des attaques personnelles, il a fait diffamation, il a dit toute bagaille qui n'est pas vraie. Je m'a demandé à M. Georges une grande bagaille. M. Georges, il passait en pile temps. Tout le monde connaît, mais Georges, c'est un mollusque. C'est un monde c'est un monde qui a besoin d'un tout gouvernement. M'a demandé, mais Georges, pendant vérité. Tout le temps que l'élite est faite, à monter des sommes, contre Jovenel Moïse dans le palais national, est-ce que, mais Georges, jamais Mario Delcy dans le palais national? Non. M'a dit tout que président pays, qui c'est Jovenel Moïse, lui t'a demandé pour que moi te défende compagnie et pas ce n'est pas personnellement c'est président compagnie que aurait les agritrans qui sont société anonyme qui t'a gagné un problème et bien il fait appel à moi-même et Medelcy. Oui, ok, Medelcy, avant d'arriver sur aspect ça, gon aspect qui est plus fondamental, qui puisse concerner l'opinion publique là. Naturellement, c'est droit au avocat n'importe monde. D'ailleurs, c'est avocat tout. Aspect qui est plus important, est-ce que. Très bien. Est-ce que Maître Mario Delcy en mesure pour confirmer qu'effectivement, il y a eu une rencontre à laquelle on prit part le bâtonnier exécuté, alors de son vivant certainement, Maître Delcy,
Maître Delcy et la présidence. Réunion au cours de laquelle il aurait été demandé au barreau de désigner un représentant au CEP. Vous m'avez fini de répondre ça, c'est ça le plus important. Après ça, on va rentrer dans l'autre question. Ok, d'accord. Peggy, vous allez répondre et vous allez mettre maître Georges en défi. C'est la première fois que un citoyen peut faire ça dans le pays d'Haïti. Ok? Maître Georges connaît très très bien. Très très bien que Mario Delcy. Pas besoin de job dans le CEP, il n'y a pas besoin de job dans le gouvernement. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, là, Peggy. Moi, pas jamais connais, moi, participer dans la réunion. Si ce n'est pas réunion, dans le barreau avec bâtonnier Montferrier d'Orval. Ça, c'est deuxième bagaille. Là. Troisième bagaille, là. OK? Moi, pas jamais rentrer dans le palais national, aller dans la réunion avec quiconque. Quatrième bagaille là, Peggy. Moi je voulais que dans le pays d'Haïti, côté que mon affaire a fait diffamation. Ça y est dans le change à répéter là, eh bien, moi apprends très bien que il y a un groupe d'avocats faussaires dans le pays. Là. C'est des avocats qui ont gagné des problèmes personnels avec le bâtonnier Montferrier d'Oval. Automatiquement que ouais, Mario Delcy Campé lui demande justice au bâtonnier d'Oval avec un groupe monde, eh bien, vous assurez que vous quittez le dossier d'Oval là de côté et vous rentrez dans une véritable campagne de diffamation. Si la justice a fait travail, c'est pour la justice à fouiller. Pour yon, qui moun, bâtonnier d'Oval, te gen tan convoqué pour la sanctionner dans barreau. Ça, c'est le premier bagaille pour nous connaître. Deuxième bagaille pour que la justice li connaisse. Faut nous connaître que, faut mettre nos juges avec preuve. Que li connaît que moi-même Mario Delcy, moi te mené bâtonnier d'Oval que me connaît son nèg qui pas jamais quitté mon dictel ça ça pour le faire. Bah et c'est une raison qui fait que moi-même moi remet m'aimer bâtonnier d'Oval en pile. Bâtonnier d'Oval pas jamais quitté mon traînel dans rien qui pas ça et bâtonnier d'Oval pas jamais besoin job dans gouvernement. Et moi que maintenant Georges tap comprendre si moi capable si un président de la République est capable faire confiance pour que me travaille sous dossier parler comme unique avocat que lui prend alors que me pas de compte monsieur Jovenel Moïse moi pas monde dans pays Jovenel Moïse m'a jamais travaille dans gouvernement Jovenel Moïse donc m'a pas comprendre que pour monsieur Jovenel Moïse ensemble avec représentant actuel compagnie lui nous a décidé de faire confiance pour le prendre moi même moi pas besoin poste tout le temps dit moi ça m'a jamais chercher poste ministre m'a jamais chercher poste directeur général contrairement à mes Georges qui pensait que c'est un badge national qui pour faire les ligues non c'est un badge palais national qui pour faire les changer machine bon, tout le monde qui connaît Mario Delcy il y a connu que Mario Delcy pas passé dans bagage bien mais Delcy Delcy pour me terminer, m'a dit maître Georges, on comprend que l'Union doit pas en parler encore, on comprend que l'Union doit en problème avec le président. L'alte qu'on n'a pas mangé avec Jovenel Moïse, n'a pas de convoi avec elle. Il n'a pas de convoi, m'a campé derrière porte pour m'a prêter comme président, ni qui me valise président. Et m'a pas jamais fait ça. Ok, m'a pas jamais fait ça pour toute film. Parce que moi, c'est un intellectuel, moi, c'est un nègre qui allait, qui fait pile étude, donc c'est pour me capable d'arriver dans l'État. Ok, dans la boue que mettre dans Georges, l'a traîné pays, l'a traîné corporation. M'a dit, pour me terminer, que moi prêt, m'a demandé toute opinion publique. Moi crois que gagner test de polygraphie que vous faites dans le pays d'Haïti. Par contre, si mettre Georges connaît ça, ça veut dire. Gagner ça, les détecteurs de mensonges. Moi prêt, pour me payer, ni pour moi-même, ni pour mettre dans Georges. OK pour moi-même à Renaud Georges campé devant caméra il y a passé nous un test de polygraphie pour yo ouais il y a passé nous un détecteur de mensonge pour yo ouais qui monde qui a bail menti m'a jamais rentré dans palais national excusez-moi pas jamais rentré dans palais national ni moi pas jamais participé dans aucune réunion côté que gagné bâtonnier donc Doval, président ou bien n'importe qui monde n'a pas national. Alors, Maître Doval, c'est un monde qui tape combat pour ça qui bon. Et Maître Doval, parmi tout programme, c'était pour que les assainir Baroa pour les retirer. Bon nègre qui a fait millions dans le pays, dans les affaires politiques, dans mauvaises affaires, qui n'a jamais gagné diplôme dans le pays. Mais je ne peux pas dire moi-même que c'est pour ça que ont assassiné le bâtonnier d'Oval. Parce que moi-même, je suis un nègre, je suis un avocat qui est formé, je ne peux pas dire n'importe qui bagaille. Cependant, je dis, monsieur, que moi connais, plan que vous avez fait,
Ils ont essayé d'assassiner moi déjà le 29 avril. Ils n'ont pas réussi à assassiner. Et Kounia là, il y a manigancé des bagailles pour la simple et bonne raison. Ils n'ont pas voulu bâtonner devant la jeune justice. Et maman dit que toute initiative qu'il prend pour bâtonner la jeune justice, n'a pas travaillé pour ça, m'a participé là-dedans. Parce que justement, le bâtonnier m'avait fait confiance. La corporation, l'ordre des avocats de Port-au-Prince, ils ont fait confiance. Et tout avocat, ils ont fait confiance. Sauf quelques grands avocats, ça, yo, Mabdou, qui étaient en contradiction, avec, en contradiction flagrante avec le bâtonnier de Bal. Ok. C'est ok. Qui a c'est ça. Toute bagaille, ça, yo, bien. M'a dit, ok. Il n'y a pas qu'à faire mes peurs. Il n'y a pas qu'à faire mes peurs. D'ailleurs, il a essayé déjà. Il n'y a pas qu'à faire mes peurs. M'a dit, maître notre Georges, c'est pour conscience. Il faut comprendre que le monde mourit. On a essayé de tuer Batonia en deuxième fois, monsieur. M'a dit, nous, une grande bagaille qui gagne, pays ça, la vie a gagné pile karma. Moi, on a essayé de faire Batonia. On y est passé comme un nègre qui qu'on a une réunion, qui qu'on a pris des jobs, qui qu'on a fait ci, qui qu'on a fait ça. Batonia, il pas comme ça. Et moi-même, moi pas gagné problème. Bien, merci, Maître Delcy. C'est ça, Maître Delcy. Alors, merci d'avoir apporté ces précisions. Juste avant d'aller, Mabson Mamando, dernière évolution qui est enregistrée dans le cadre d'enquête là, à savoir. Et arrestation qui fait yo, qui réaction sur ça, en guise de conclusion. Bon, moi-même, moi-même, regardé sur Internet, j'en me dis là, demain, c'est le matin pays, je me regardé sur Internet, moi, ouais, que gagné quelques monde qui ont arrêté, etc. Donc, moi-même, entendez tout, moi, ouais, en vidéo, que j'ai fait sur Scoop, parce qu'on aime sur Scoop en pile, sur Signal en pile, sur Vision 2000, moi-même, pas tendez bonne notre radio abolotio m'entendez Caraïbes toute radio qu'on est tout content de m'entendez même bon, pas tendez ma chaîne micro qu'a recevoir corps dans mes avocats pour parler Mario Destimal. OK, donc qu'on y a là maintenant qui s'est passé m'entendez citoyen ça m'entendez mon avocat qui t'a parlé pour lui et côté que citoyen ça dit lui même yo pas jamais mettre monsieur dans garde à vue monsieur dans la rue et que m'entendez en pile révélation que moi même moi garder moi pour me commenter pour qui raison parce que j'aimerais dire moi appartenu à une corporation, à un groupe avocat et parmi eux, en majorité des jeunes avocats, qui a demandé justice pour le bâtonnier d'Orval. Parce que nous étions toujours avec le bâtonnier d'Orval. Nous étions toujours en bataille pour le bâtonnier, parce que nous étions croyés. Dans mon programme bâtonnier a été gagné pour Baoua. Mais malheureusement, il y a une force fait noyau. Il y a un groupe nègre qui, depuis plus de 14 ans, qui a menacé tout bâtonnier qui montait, qui a menacé les bâtonniers à mort, de mort, parce que bâtonnier ça, il a attaqué dossier, yo, ok? Parce que c'est le dernier qui était ancien ministre, qui était dans tout le poste de pays, mais mettez-le en défi. C'est défi ça m'a journée jodi à là pour que yo montre yon diplôme que yo gagné et moi que ben n'a pas en pile fait Maître Delcy et c'est yo même ça. Allô Maître Delcy, Maître Delcy, alors si m'a suivre orientation approche ou c'est tant qu'ou insinuer que gain possibilité c'est tant qu'ou insinuer que il y a une possibilité que l'homme bâtonnier t'a sorti à l'intérieur même de sa corporation. Apparemment, moi, j'aurais insinué ça. Excusez-moi, moi-même, mais qui ça me dit? Mais qui ça que moi insinué, Peggy? Moi insinué en ma qualité d'avocat que démarche que qui a fait contre moi là, qui a dit que c'est escroc, alors que y a un pile légicite, nous y a sous tout mu, dans n'importe où prise, dans tabac, dans Pétionville, comme monde qui a volé était malheureux. Il y a un légicite qui gagne combien de millions, qui gagne action dans toute entreprise, et c'est des tout le monde connaît qui a mangé l'argent dit les drogues qu'ils ont assassiné, que et que yo a volé comme là yo a joui de bien drug dealer ça yo genèg qui a payé campagne contre Mario Delcy, quand il a dit Mario c'est voleur, Mario c'est un violeur, maman Mario sont escrocs. Moi mettez un défi pour montrer qui côté me connaît escroc avec yo qui côté me connaît. Merci.
Merci, M. Delcy. Zami Otita, vous entendez M. Mario Delcy, avocat président de la République, là, Jovenel Moïse. Fois ça, c'est M. Georges qui retourne répondre M. Delcy sous réponse accusation. Pendant ce temps, M. Laté profite, continue longer quelques boulettes sous M. Mario Delcy. Situation pas traitée là, eh bien, réponse allée, réponse tournée. Maître Renaud Georges, lui-même tout, te profite, by plus de détails sous ça que t'as passé en Dambao, Port-au-Prince. Zami fanatique, sous Fiativi 83, on écoute M. Georges sous causer ça avant de te accuser M. Delcy qui te participé dans la réunion en cachette dans le Palais National, Jean Dilla. Nous, c'est Réseau Information, gros réseau, sous Fiativi 83, restez ensemble avec nous. N'a toujours continué à informer sous toute nouvelle Haïti et le monde. M. Georges, vous avez un dernier mot sous question. Allez-y. Merci. Bon, moi, Mario, premier Mabdou, pas jamais réagi sur ma rêve, vous m'attendez à oreilles. Ou dites-toi, mon réseau, yodou, et vous tombez jouer, et puis, avocat va jouer comme ça. Quand vous faites une signation de monde qui a un problème avec Doval, je ne sais pas qui est avec Doval. Doval, t'as fait une déclaration que je rejeté de revers de main, savoir que l'avocat ne doit pas parler de dossier dans la presse. Et puis maintenant, beaucoup de fait des insinuations qui n'ont pas de diplôme. Bon, Mario, je suis le premier lauréat à la promotion. Je ne sais pas comment garder. Examen final. Et moi-même, je pense que c'est un travail qui était tout simple. Ou te ne répond pas oui ou pas non. D'ailleurs, m'te même dit, c'est droit ou sous gagner vénéité pour aller dans la fonction de la CAIP. C'est droit tout le monde. Son citoyen, oui. On a dit que. Alors, il nie que cette rencontre a eu lieu. Oui. Il ne dit pas de gagner ça du tout. Bon, eh bien, bon, je vais le crédit, oui. Eh bien, c'est ça. Mais, c'est une réunion que ça a été faite. Mais, selon l'information, yo capable mon capable pas contre Mario ou mon commande Mario oui tout ça est possible tout ça est possible mais je te parle qui est tout simple mais je pas dans réunion ça ou bien me pas connait ouais, ben.